qu'est-ce qui se passe déjà là? J'hésite entre les radis et les carottes. C'est un beau résumé de ta vie, ça. Et on ne prend pas de plaisir à regarder sa femme se faire tripoter par tous les passants. Non. C'est pas mon idée, c'est la tienne. C'est moi que tu vas remettre en question? Attention, Titouan. Quand on interpelle un serveur, on n'a pas le droit à l'erreur. Il suffit d'un raté pour envoyer une très mauvaise information au bar, qui va se dire ce pauvre type-là vient de se prendre un énorme vent. Il n'a pas de charisme. C'est un moins que rien. Garçon. Et là, c'est la honte. Tout le monde t'a entendu dire « garçon », sauf le garçon. Écarte-toi. Hein? Observe bien, mon grand, d'accord? Tu analyses bien la situation, tu essayes de comprendre pourquoi avec moi, ça fonctionne. Garçon! On va prendre deux bières, s'il vous plaît. Deux bières? Merci. Tu sais ce que je me suis dit, moi? Je me suis dit, je me mets dans la peau d'un type qui vient de boire un triple whisky et qui va repartir sur sa Harley Davidson. Voilà ce que je me suis dit et voilà ce que j'ai transmis comme information sur moi. Toi, on s'est dit, ce mec-là vient de boire un candy-up à la fraise et il va repartir en Vélib. À toi de jouer, mon grand. Garçon! Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Deux bières, s'il vous plaît. Deux bières. Ce que je veux, Titouan, c'est que tu te reconnectes à ton instinct de chasseur-cueilleur. Pour l'instant, t'es une proie, là. T'es un produit parmi tant d'autres. Il y a une petite vieille qui va passer. Elle va te mettre dans son caddie. Tiens. Moi, je vois pas de différence entre ça et ça. Toi, quand tu avances avec tes préservatifs, là, on se dit, ce type-là, il va faire des bombes à eau avec ses copains. Ah, l'homme que t'as connu, il est là? Tu rentres, tu te mets les pieds sous la table. Salut, maman! J'ai passé une bonne journée aujourd'hui à l'école, c'était trop cool. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Moi, je demande pas ce qu'on mange ce soir. Moi, j'apporte le repas! Regarde! Elle a pas le même regard sur moi, hein, ta femme. Hein. Ta femme me regarde avec désir, là. Tu le remarques ou pas? Chaque rayon a sa clientèle. Ici, on est dans tout ce qui est vegan. Donc, tu vas rencontrer des nanas qui mangent du carton. Une nana qui met pas de viande dans sa bouche, tu vas pas t'éclater avec elle au lit. Ok? Comprends? Que je parle de la fellation? J'ai compris. Je lui ai montré que j'étais à l'aise avec l'hygiène féminine. Là, elle s'est pas dit que t'étais à l'aise avec l'hygiène féminine, là. Elle s'est dit que les tampons, tu te les mettais, hein. Ah là, voilà. Charismatique, ça, tu crois? Un mec qui se met des tampons?